Éléonore Yaïla Descamps et Yves Kouarouch-Chabi, respectivement ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique et ministre de l'enseignement secondaire de la formation technique et professionnelle, sont descendus ce jeudi à l'office du bac. Objectif, constater le niveau de préparation de l'organisation de l'examen du baccalauréat qui démarre le lundi 21 juin 2021. Suivez. S'imprégner du niveau de préparatif du baccalauréat, session de juin 2021, c'est l'un des objectifs de cette visite du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Éléonore Yaïla Descamps, et de son homologue, Yves Tchabi Kouaro, de l'Enseignement secondaire à la direction de l'Office du baccalauréat. Au constat, tout est fin prêt. Nous sommes prêts, les travaux confidentiels sont terminés, le tirage des épreuves et la mise en cantine terminée. Et hier, le dernier convoi des cantines est parti. À l'heure actuelle, toutes les cantines sont déjà déposées dans les centres, au nord, au centre, au sud, à l'est et à l'ouest. Les superviseurs sont en train de rencontrer à ce moment même les chefs centres. C'est pour cela qu'ils ne sont pas tous là, mais il y a une délégation des superviseurs qui est là. Et cette année, nous avons procédé avec la complicité positive des universités au recrutement des chefs centres. Séduit par la présentation faite par le directeur de l'Office du baccalauréat sur le dispositif de l'organisation de cet examen, les autorités ministérielles ont salué les efforts consentis. Je suis vraiment très satisfait du niveau des préparatifs. Je constate que l'ADOB, l'Office du baccalauréat, est prêt pour que le candidat subisse les épreuves. Je voudrais, en ma qualité de ministre des enseignements secondaires, vous rassurer et rassurer les parents d'élèves que toutes les dispositions ont été également prises au niveau de nos écoles, de nos collèges et lycées, pour que les programmes d'études se déroulent correctement. Je voudrais féliciter M. Le Dob et toute votre équipe pour ce savoir-faire qui vous caractérise, et non seulement à l'intérieur de notre pays, mais au-delà également de nos frontières, et qui fait évidemment notre fierté. Et encore que vous assurez la présidence, donc en exercice, donc de directeur de l'Office du Bac, c'est un label qui nous rend fiers. Et je voudrais également, à travers vous, féliciter tous les acteurs, parce que le Bac est devenu une industrie à laquelle participent beaucoup d'acteurs. 82 908, c'est l'effectif total des candidats à cet examen national. À en croire les deux ministres, toutes les dispositions nécessaires sont prises au regard du constat fait pour le bon déroulement de cet examen du premier diplôme universitaire.